Je suis désolé. J'ai connu la circulation. Tu sais qu'on n'a pas beaucoup de temps. Bon, écoute, les grilles de l'entrepôt seront ouvertes de 11h à minuit, d'accord? Mes gars seront à l'entrée. Tu t'occupes de rien. Tu fonces à l'intérieur et il n'y aura pas de lézard. C'est clair? Pourquoi tu t'en vas? Mais je m'angoisse pas. Merde, oui, je m'angoisse. Ça va très bien, mon frère. Ok, où il est ton chargement? Territory.
attend. Territory Beyond, l'aventure vous attend. Je suis fatigué d'être moi. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ? Les ventes accusent une baisse moyenne de 12%. L'élargissement de notre segment de marché des jeunes consommateurs urbains aux propriétaires aisés de véhicules tout-terrain... Oui, ça je le sais. Dites-moi plutôt ce que je ne sais pas. Il faut qu'on cartonne dans l'accroche des GRP, et pour ça, peu importe le support choisi. Aujourd'hui, les résultats de la campagne de test prouvent qu'on va truster. Écoute, branche le décodeur, Elliot. On doit la passer au Super Bowl. Premier carton. Au Super Bowl. Ça va nous coûter la peau des fesses. Il faut mettre le paquet, Roy. Il faut parier gros, on n'a pas le choix. D'accord. Dans le premier carton, coupure de 60 secondes et 30 secondes dans le deuxième. Tu veux qu'on parie ? Alors on parie. Jono, on y va. On sera pas en retard ? C'est bloqué partout, mais si on prend le tunnel, on sera pile à l'heure. Bah pour le tunnel. Allez, Cooper, voilà. Tu es gentil, c'est fini. On va passer une belle journée en ville. Ah, le bon Dieu. Tu sais, même si c'est un très bon spécialiste, tout est floqué par terre avec ses heures de voiture. Il a horreur de la voiture, ça le rempâtera toute une semaine. Tu n'emmèneras plus chez ce charlatan à Goldflake. Mais voyons, Eleanor, il est parfaitement capable. On ne sait même pas de quoi souffre ce chien. Qui le connaît mieux que moi ? Une personne étrangère ? Allons, c'est côté. Si tu veux. Je crois que j'ai une idée. Laquelle ? On va aller chez Rumpelmeyer. Cooper adore leur glace à la vanille. Ah, c'est une très bonne idée. T'es là, toi. Ils m'ont serré pour vol. Et toi, t'étais dans le rouge sur ton compte ? Non, je fourguais des téléphones mobiles avec des numéros clonés. Et t'as piqué combien dans la caisse ? J'en sais rien, 200, 300. T'avais un flingue ? Non, je lui ai fait du grind. Bien sûr que j'en avais un, t'es barge ou quoi ? Tu sais, moi je vendais 5 à 10 téléphones par semaine à $50 pièce. J'utilise pas de flingue. T'as qu'à multiplier ? J'ai encore multiplié, tu me prends pour un taré ? Pourquoi je t'en chopais si t'es si malin ? Je crois que j'ai fait une bourde en payant ma BMW cash. Exact. Tout à fait exact. Oui, ça fait du beau travail. Ça va être dur. Oui, et avec $50 de pourboire, vous êtes capable de le faire. $50, à ce prix-là, je suis capable d'un miracle. Ça va être l'horreur. Je vais retourner patiner au Rockefeller Center. Ça t'embête à ce point qu'on choisisse un peu ce qu'on veut faire ? Quand c'est pour voir vos anciens copains de classe, j'ai pas besoin de venir. Les vacances en famille, c'est fait a priori pour rester en famille. Je t'ai déjà dit que le mot « rester » n'est pas dans mon vocabulaire. C'est dans un cabaret de Manhattan en 1918 que ce tunnel a été dessiné sur une nappe par Edward Trammell. Les travaux ont débuté en 1921 avec des milliers d'Irlandais fraîchement émigrés qu'on surnommait les cochons de sable. Ce tunnel passe à 8 mètres sous le lit du fleuve qui repose à une profondeur de 24 mètres. Papa, ça ?
Combien de fois vous êtes allés en vacances, toi et Linda? Ashley, cette fois, ça suffit. Tu sais, ma chérie, Linda, c'est fini. On est à nouveau une famille unie, c'est ça l'important. Thank you.
soigner. À l'ambulance. À l'ambulance. Mon père est coincé dans la voiture. Il ne peut pas sortir. Il y a du sang partout. Monsieur, s'il vous plaît, sortez-le de là. T'inquiète pas. On va tirer de la neutre. Regarde-moi, regarde-moi. Essaye de bouger, je compte jusqu'à toi. Prêt? Je veux que tu m'aides. Prêt? Attention. Un, deux. Voilà. Attention à sa tête. Tiens-toi. Là, c'est fini. C'est fini, gros tapin. C'est les balles. Ça va, c'est bon, je suis un garrot. Je le sers bien. Toi, tu vas le tenir. Tu le sers le plus possible, d'accord? Oui. Fais voir. Il est mort, il est mort. Écoutez-moi, écoutez-moi, il y a un brûlé au deuxième degré là-bas, allez le voir. Et vous là, il est mort agile là-bas, il faut une perfusion. Imaginez-vous, qui se tournez-vous? Vous étiez chauffeur de taxi. Eh oui, je suis chauffeur de taxi, il a besoin de vous, allez le voir. Passez-moi le tensiomètre, attendez. Amenez-le d'abord. Amenez la lampe. Il donne ce feu. Nom de Dieu. Ouais, c'est ça. Tu devrais te tirer d'ici avant que quelqu'un te voie. C'est passé une bombe. Un accident, j'ai entendu parler de déchets toxiques, mais rien de confirmé. Et comment c'est, côté New Jersey? Ah, Boucher aussi, c'est pareil. Tout a été liquidé jusqu'au poste de péage. Où est votre chef? Il est juste en face de moi pour ce qui me concerne. Non, je te parle de ton nouveau chef. Le dispatcher a dit que Mr. Calicorn y tente de déblayer le passage à mi-fleuve dans le tunnel sud. En tout cas, c'est ce que j'ai compris. À mi-fleuve? Ouais. Hé, hey, la Tour 1, surveille tes arrières. Georges, c'est moi, réponds où tu es, c'est grâce à l'appareil, Georges. Oh non, réponds. Georges, s'il te plaît, Georges, où tu es, Georges? Tu travailles plus pour nous, fourre-toi ça dans le crâne.
Wilson, attends. Viens, laisse-moi. C'est pas la peine. Il pourrait faire arrêter. Est-ce que tu t'en... Il faut faire exploser le toit du tunnel. Tu dois leur parler. Tu dois bien savoir. Je compte sur toi. Votre attention, s'il vous plaît. Les autorités ont décidé de faire évacuer le tunnel sud. Ramassez tous vos objets de l'heure et fermez vos évacuations du tunnel sud. Évacuation du tunnel sud. En direction de la sortie de Jersey. Il n'y a pas d'objet. Vous n'avez aucune raison de vous inquiéter. Alors s'il vous plaît, pas de panique. Il n'y a aucun danger. Vous n'avez absolument rien à craindre. Alors évacuez le tunnel sud. Alors raconte. Désolé, chef. Le passage est bloqué à 10 mètres. La structure est dans un tel état que je risquerai même pas un pétard. Et avec une excavatrice, on progressera c'est en même temps. C'est pas faisable, c'est dangereux. Je vais te dire, le mec qui affirme que c'est pas faisable a toujours l'air d'un con moment ou un autre, ça prête à le faire.
Allez-y, mademoiselle. Et lui, il vient pas? Ce mec-là, il est en manque de crack. Moi, à votre place, je le laisserai tout seul. Viens avec moi. Non, tirez-vous de là, mademoiselle. Écoutez-moi. Non, et moi, je te dis qu'il est hors de question qu'on laisse crever comme ça, d'accord? D'accord. Comment tu t'appelles? Mickey. C'est comme... comme une... trouille géante, tu vois? Oui, je sais, moi aussi, je suis morte de peur. Mais je me sentirais bien mieux si on sortait de là, toi et moi, hein? Oh, non, 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 non. D'accord. Mickey. D'accord. Mickey, tu me trouves jolie? Oui, et alors? Alors, tu préférerais pas venir dehors avec deux filles mignonnes au lieu de rester ici piégée dans ce fourgon? Oh, j'ai la trouille! Bordel, putain, Mickey! On a tous la trouille! Alors, petit connard de drogué, dégage! Et sors d'ici au trou! Tout de suite! D'accord! D'accord! D'accord. Faut leur secouer les puces à ces gars-là. Attends. Écoutez-moi bien. Sautez maintenant, sautez. Sautez là, sautez. Voilà bien, gardez-nous. Tirons-nous d'ici, c'est sans, c'est les autres qui coulent. Hé, mademoiselle, sortez de là, tournez là. Tenez, occupez-vous d'aller, vous allez vous tranquille, ok? Mais qu'est-ce qu'il faut? Il faut que tu coupes le courant. Comment lui faire comprendre? Coupe le courant. Le foudre. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut aller sous un arbre. J'y ai. Merde. Vous abriter. La voiture. C'est ça parce que... Oui, parce qu'elle a des poules du caoutchouc. Qu'est-ce que vous faites? J'ai crapahuté dans les moindres recoins de la structure et je crois que je peux vous être utile. Donc, comment elle est? Le taux de renouvellement est 1,5 million de mètres cubes par heure, ce qui fait tout juste le 20e de la normale. Et la situation s'aggrave. Ah, génial, il est retrouvé. Regardez, quand ils ont collé ce truc-là, la Première Guerre mondiale n'était pas terminée.
Bon, allez, au travail. Le tunnel nord. Là, le tunnel sud. Ici, le fleuve. Le lit du fleuve. Là, notre tunnel, avec un rectangle à l'intérieur de la structure. Et ce truc-là, qu'est-ce que c'est? Ah oui, oui, ça. Eh bien, les cochons de sable travaillaient par roulement de 36 heures. Ils avaient des pièces de repos là-dedans, des chapelles, des cuisines. Ils avaient tout ce qu'il faut. Tout a été muré après la rénovation de 72. Frank, Wilson t'a dit le temps qu'il lui fallait pour faire son passage? On n'est pas prêt de le savoir. Il y a 20 minutes, un éboulement a écrasé Mr. Californie comme une crêpe. Merde. Qu'est-ce que vous en dites? On n'a aucune idée des dommages subis à mi-fleuve. On peut pas utiliser des explosifs. Il faut employer les moyens classiques. Mais pour une éternité. Le temps de faire un autre trou, je dirais. 10, voire 12 heures, minimum. Quelle est leur réserve d'air? 3 heures, maxi. 3 heures, maxi. Bon, Franck, je sais ce qu'il faut faire. Tu vas envoyer quelqu'un mettre les survivants à l'abri des fumées le temps que toi, tu dégages le passage à mi-fleuve. Qu'est-ce que t'en dis? Franck, c'est toi le nouveau chef ou quoi? Oui, Kit, c'est moi le nouveau chef. Alors décide. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Rien, comme ça tu seras pas obligé de témoigner au cours de l'enquête, c'est bien ça? Viens pas me mettre ça sur le dos, d'accord? C'est du passé, je vois pas du tout le rapport avec la situation actuelle. Non, tu te trompes, j'ai dû trancher comme tu dois le faire aujourd'hui, j'étais dans la même situation que toi. Qu'est-ce que tu fais, Franck? Te pose pas de questions, on a plus que 3 heures. Plus que 3 heures. Est-ce que t'as envie d'y aller? Donne-moi le feu vert. Oh, non, 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 non. Les accès au tunnel sont bouchés des deux côtés. Si jamais on le perce au milieu du fleuve, alors là, il se brisera comme du fer. Par où vous allez entrer? Par là. Il y a quelqu'un dans ce...
tunnel qui s'appelle George Tyrell. Dites-lui bien, je veux qu'il me ramène mon bracelet. D'accord ? Tout le monde est prêt, on attend les ordres. Prêt à couper le système ? Entrez le mot de passe. Carnegie Deli. Ouais. Ouais, c'est ça. Voilà. Les quatre ventilateurs. Kate, ce que j'ai fait, je l'ai fait pour le bien du service. Il n'y avait rien de personnel. C'était ton frère, Frank. C'était forcément personnel. Je t'en ai voulu. Je te demande pardon. T'es pas obligé de le faire. On dirait que tu me parles comme si t'allais plus jamais me revoir. Tu n'as peut-être pas tort. On y va. Norman. Tom. Arrêt numéro 1. Arrêt numéro 2. 3. Arrêt numéro 4. Ventilateur stoppé. Allez, la tour. C'est parti. Il ne s'arrête pas, Gantz. Il ne s'arrête pas. Mes freins, serrez les freins. Il n'y a pas de système de freins. Il continue sur sa lancée. Vous devez l'arrêter.
Personne d'autre? C'est une blague. Ah non, c'est pas vrai. Il ne peut pas être tout seul. Vous ne pouvez pas être tout seul. Alors, il y en a d'autres qui arrivent, oui ou non? Où sont les autres? C'est vrai que je rêve. On va sortir de là. On va sortir de là. Non, c'est pas possible. T'es où le reste de l'équipe? C'est lui l'équipe. C'est pas vrai. Il y a nous. Il y a nous. C'est vous la femme au Tokiwoki? Vous êtes l'homme à qui j'ai parlé tout à l'heure? Je croyais avoir été clair en demandant que personne entre là-dedans. Mais excusez-moi, la ligne n'était pas très bonne. Il y a combien de personnes là-dedans? Une seule, il est tu tout seul. Tu vois pas, c'est à moi qui parle. Et qui êtes-vous? Je m'appelle Latora, qui est dans ce trou? Il y a un homme là-dedans, et c'est Roy Nord en personne. C'est une galerie instable, faut aller le chercher. Où tu vas? C'est moi qui commande. Très bien, tu veux commander, tu commandes. Ça peut s'effondrer à tout moment, cette galerie n'est pas sûre. Ceux qui l'emprunteront sont certains de tout prendre soin. Laissez-moi vous dire que ce n'est pas très sûr ici. On peut même plus respirer, merde. Il faut qu'on s'arrête là tout de suite. Je sais que vous avez passé du temps dans ce tunnel, je le sais bien, mais tout ce que je vous demande, c'est d'être patient. Un peu de temps encore, d'accord? Faites-moi confiance, d'accord? Alors sortez-nous de là, pourquoi est-ce qu'on perd du temps ici? Prenons le chemin pour lequel c'est vous êtes pas possible. Si vous avez pu le faire, on y arrivera. On va pas continuer à respirer ça. Je suis passé par les ventilateurs, si j'arrête encore les systèmes, on est tous morts. Ça, c'est une réalité. C'est impossible. Et par là aussi. Roy est déjà au sommet. Roy sera bientôt dans le trou. Laisse-moi faire ce que j'ai à faire. Je t'ai dit que c'est moi qui commande. C'est moi qui commande. Est-ce qu'elle a compris? Lâche-toi tout de suite. Lâche-toi. Laisse-le. T'es malade ou quoi? Allô, Serena? Serena, c'est Roy. Pour l'instant, non. Je crains d'avoir un petit problème sur le chemin d'aéroport. Ouais, écoute, attends. Avant qu'on soit coupé, il faut que je te dise... sortir les survivants par un coup de ventilation. Monsieur Trésano, c'est mon marchand. Fais attendre l'avion à Tiboro. Et convoque la presse à Denver. Dis-leur que j'ai une cassette vidéo à leur montrer. Non. Non, Jono est mort. Ouais. Écoute, je dois y aller. Thank you.
Oui, monsieur, je vous assure, toutes les équipes médicales sont arrivées sur place. Ils s'en occupent. S'il vous plaît, silence. S'il vous plaît, un peu de silence. Vous allez la fermer. Fermez-la, tout le monde. Le passage à mi-fleuve vient de s'effondrer. Ça y est, nous voilà maintenant en hauteur et au sec. Qu'est-ce que vous comptez faire?
Dans une situation telle que celle-là, ce qu'il y a de très très important, c'est que vous sachiez exactement ce qui va se passer. D'accord? Ce qu'on veut surtout pas, c'est une nouvelle surprise. Alors, voilà ce que je vais tenter. Toute cette partie, je vais faire en sorte qu'elle tombe. Résultat, ça étouffera l'incendie et ça colmatera la fuite d'eau. Et comment comptez-vous faire ça? Je vais utiliser un explosif. Attendez, laissez-moi vous expliquer. Votre explosion, c'est ça votre idée? Là, dans cet endroit. C'est pas étonnant que des gens soient morts à cause de vous. Steven. Si quelqu'un a une meilleure idée, c'est maintenant qu'il faut me la donner. Je vous écoute. Monsieur Latoura, vous ne savez pas quel dommage la superstructure a déjà subi. Alors comment êtes-vous sûr que tout le tunnel ne va pas s'effondrer? J'en sais rien, je ne sais rien du tout. Tout ce que je sais, c'est qu'on ne survivra pas une heure de plus, à moins de faire descendre en entier cette partie-là. Et ça, je le sais. Bon, maintenant, il nous faudrait quelqu'un pour aller du côté Manhattan, voir si les secours ont progressé, d'accord? Vous êtes volontaire? C'est bon, j'y vais. C'est moi qui connais le mieux l'endroit. Et vous êtes blessé. Et n'oubliez pas de rapporter le bracelet. Quoi? C'est bien vous, George. Oui. Grace veut que vous lui rapportiez son bracelet. Elle vous a dit ça? Bonne chance. Elle est incapable de garder un secret. Dites-moi, c'est bien vous qui avez tenu ce câble électrique? Oui, mais c'était une chose très différente. Sur le moment, j'ai compris, je ne savais pas ce que je faisais, sinon peut-être... J'apprécie beaucoup que vous avez besoin d'aide, mais je ne sais pas si... Vous savez qu'il faut un sacré trick pour avoir fait ça. C'est quoi votre nom? Madeline, j'ai vraiment besoin de votre aide, compris? Regarde cette résistance au contrat. Mieux que ce qu'on a fait au Brooklyn Queens. Qu'est-ce qu'on fait à cet endroit? Il faut percer. On perce? Il faut qu'on perce. D'accord. Plus aucun signe de vie des survivants. Je me trompe? Les lignes téléphoniques ont fondu et on n'a plus aucune liaison par Tokiwoki. Est-ce que je me trompe en disant qu'à cet instant précis, vous ne pouvez pas m'assurer qu'il y a des survivants? Oui ou non? Ils étaient trois au bas mot! Il y a des heures de cela. On est obligé de percer par Manhattan. C'est le consensus qui se dégage au service technique. Consensus, mes fesses! Qui est-ce? Ce tunnel ne tient plus que par un phénomène de contre-pression. Comment vous appelez-vous? Son nom n'a aucune importance. L'importance, c'est ce qu'elle a dit. Madame London, si vous faites intervenir l'équipement lourd et causer une baisse de pression, le tunnel est susceptible d'imploser totalement. Pure spéculation. Je vous en prie, madame, laissez-nous encore un peu de temps. Désolée, on n'a plus le temps. Ce tunnel est une artère essentielle. Le sang de la ville transite par cette artère. Si vous essayez de réguler le flot d'un demi-million d'automobilistes circulant dans cette ville sans pouvoir utiliser ce tunnel, vous aurez de gros problèmes. Qu'est-ce que vous dites? Vous dites que parce que vous avez un problème de circulation automobile, vous allez nous faire abandonner les recherches? Madame, on doit continuer les recherches. Les services techniques ont pris leur décision. Nettoyez-moi ce merdier. Vous en sortez très bien. Vous trouvez? Je suis mort de peur. Peut-être, mais vous faites face. Je vous assure vraiment, vous devriez prendre quelqu'un d'autre. Ces trucs-là, c'est pas ma spécialité. Non, il y a peu de gens qui ont rattrapé ce câble comme vous l'avez fait. Oui, mais jamais pas le plus vrai. Non, vous n'aviez pas le choix. C'est comme la première personne qui a dû avaler une limace, vous imaginez? De quoi vous parlez? Imaginez. Le premier qu'on a mangé fait crever la dalle, il n'avait rien d'autre à manger. Ah. C'était ça, ou mourir de faim. Ah. Vous me suivez, Madeleine? Oui. Mais ça a l'aspect visqueux, en plus c'est vivant. Et puis ça sent mauvais, puis c'est franchement dégueulasse. Il a dû vivre un moment de vérité. Pile avant qu'il décide à l'avaler. Vous me suivez bien? Oui. Mais ça y est, c'est le moment de vérité. Pourquoi est-ce que je fais ça? J'en ai vraiment besoin pour survivre. Mais il devait manger, alors il l'a avalé. C'est ça, avoir des couilles, et vous en avez. C'est censé être un compliment, oui, ça? D'où vous venez? Le bord, hein, Indiana. C'est quoi votre boulot? J'essaie de faire monter mes pièces, mais le problème, c'est que personne ne va plus au théâtre. Vous venez la partie? Oui, je renonçais, Dites, s'il vous plaît, dites-moi la vérité. Si ça se trouve, je ne pourrais pas la supporter, mais d'après vous, on a une chance. Madeleine, je ne serais pas là si je ne croyais pas qu'il y en ait une. Je vous le jure. Promis. Je vous le jure, faites-moi confiance. On y va.
S'il vous plaît, arrêtez de demander ça. Deux, trois.
Explosé au moment où on sortait, j'ai perdu trois hommes ce jour-là. Parmi eux, il y avait le frère d'un ami. Elle a parlé de la presse, de l'enquête, des funérailles. Il n'y a plus qu'à remplir les plans faciles pour un écrivain. Vous n'avez jamais su comment on sortirait d'ici.
George est parti. N'y allez pas. Je sais que vous êtes tous gelés. Il va falloir nager un petit moment. Sous l'eau. Sous l'eau? Je ne suis pas sûre d'être capable de nager là-dedans. Écoutez-moi, j'en ai assez. Si je peux y arriver, vous pouvez y arriver. Tout le monde inspire bien à fond. Et on y va. Vous pouvez le faire. C'est bon, vas-y, ma chérie. Courage, courage. Ça me passe, ça me passe. Vas-y, 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 vas-y. D'accord. Trois. Sur
sortir, là encore. Une chambre. Il y a une autre chambre. C'est vrai. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Il est malade! Ne nous laissez pas! Il faut partir! Mécanique, elle nous vient y avoir un autre moyen! On n'a rien
aucune chance de s'en sortir, c'est ça? Quoi? Je peux pas. Quoi? C'est quoi ça? Le câble électrique. Faut retourner à la case départ. Non, non, quittage. C'est trop loin. J'y arrive, vous y arrivez. Non. Ah, tenez ça. Non. J'ai trouvé ton cœur!
laissez passer, s'il vous plaît. Bienvenue à la maison. Bienvenue, chef. Laissez passer, s'il vous plaît. Dégagez le passage. Stop. Arrêtez. Stop. Passez, attendez. Stop. Grâce. Ça y est, on est presque arrivé. C'est bon. Allez, d'accord, mettez-le dans mon ambulance. En ambulance. C'est bon. Doucement. On y va. Comment va tous les deux à l'hôpital? Je vais venir avec vous. Vous n'avez rien de mieux à faire? Étant donné que j'ai plus de maison, que j'ai plus d'argent, plus de voiture, et qu'en plus je suis pas maquillée, je vais venir avec vous. À une condition. Ah oui, laquelle? Je veux qu'on prenne le pont.